Eh bien, hello à vous. Ben écoutez, je suis bien embêté parce que je suis en 1.9 au milieu de l'océan, complètement perdu. Alors, je pense qu'il y a une terre là-bas. Mais bon, y aller à la nage, je vais m'épuiser. Heureusement, mon ami le chaman m'a donné une potion qui normalement devrait me ramener à Ragnablok. Alors j'ai fait tellement de choses bizarres pour repasser d'un point 9 à un point 8 pour aller sur Ragnablok que moi, ça ne me surprend plus. Bon, bah allons-y, hein. On va tester ça. Eh bien, je ne suis pas sur Ragnablok. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai atterri dans le monde modé. Alors les villageois m'ont donné une potion. Vision nocturne. Apparemment, c'est pour voir en dessous du sang. C'est une baignoire de sang avec le sang des six divins. Et apparemment, si je bois cette potion que je vois en dessous du sang, ils sauront lire où je veux aller. Ils me téléporteront. Vous croyez à cette histoire, vous? Ben écoutez, j'ai fait tellement de trucs fous que je suis plus à ça près. Parti. Ah! Je vois. Où est-ce que j'ai bien pu apparaître? Voyons voir. C'est la chambre. C'est la chambre secrète où. C'est la chambre secrète où je viens parfois méditer. Méditer, oui. Ouf. On a des choses à faire. On a des choses à faire. On se retrouve tout de suite. Oui. Je viens méditer. Allez, bonjour, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablok. Nous sommes, chers frères et sœurs, dans l'église. Pendant qu'un enfant du diable tente de s'y échapper, nous allons le rattraper. Amen. Je suis ici avec Frère Linkid. Enchanté, Père Laolès. Et nous allons installer une petite cloche pour le JP va père être à Damien l'église. Car. Bibu GP 81. Décidément. T'as oublié de me passer du matos pour les Alors. barrières. Non, tu Je les avais vote. prises? Non? Ah, les barrières en fer, c'est toi? Non, je les ai pas. Oh, la dissidence. J'ai que la Vas-y, dalle. je te laisse sortir, moi sinon je vais mettre la semaine à sortir. Ça va Hop. d'aller. Allez, peut-être une fois. Allez, on va couper. Non, pas sortir. J'ai pas le droit de sortir. C'est sur quel. Dans Yes. quel. Ah, les trucs. Ah, ben non, je t'ai pas pris, moi, les barrières chez toi. Ah, mais tu les as pas pris! Ah, Bah, mais. non. Oh, la C'est la dissidence qui commence! Ah, bah, non, moi, je te le dis, c'est toi le papa, je te dis. Hein. Père Loulès, c'est toi. Hein. Ah, t'as vu ça, je suis en mode sprint dans les escaliers. Ça va passer, ça va je passer. pas. Je pensais que tu Voilà, les j'ai un avais pris. stack. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Bon, j'en ai pris deux stacks et demi en fait. Coco Hop. Igor, Oh je tiens. suis le roi de la route. Je m'amuse à 200 à l'heure. Oh, marquis. De rien, tout est calculé. Oh, ah bah allez, hop. Oh. Et je peux faire Paris-Beyrouth en une demi-heure. Oh purée. Je suis Ah, rentré. c'est. T'es fou pas ma gueule, toi. Sinon, je sors. Alors les petits problèmes, les amis, c'est que nous sommes en chiffre pair. Et père, c'est de la merde. Et pair pour les constructions, c'est de la merde. Mais qu'est-ce C'est que tu ça, fais, c'était ma le mot. chérie? Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Tu fais de la merde, ma chérie. Tu es en chiffre pair, tu fais de la merde. Mais Pauvre enfin, petite fille. qu'est-ce que c'est la merde là? Qu'est-ce que tu nous as fait? Voilà.
Voilà. Voilà. N'est-ce pas? Donc, nous posons des barrières. Oui, faut que je fasse un mode commentary. Je pose une barrière. Je viens de poser une barrière. La barrière fut posée. Elle était posée. Elle sera posée. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Oh C'était putain. la barrière. Oui. Elle fut. Elle sera. Au septième jour, elle revit. Voilà, histoire de la cloche. Hop là! Ah! Excusez-moi, mon père, bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. T'as vu, je le fais bien, Oh oui, ça marche tout de suite. Menteur! hein. Hop! Bon, ben, je suis parti, hein. J'ai mis les deux Donc, blocs d'or. il a mis les deux blocs d'or, c'est parfait. Pardonnez-moi, mon père, je remonte au ciel. Ah! Finalement, je reviens, mon père. Je me suis gouré de boutons. Oh putain. Ah, ça va être folklore là. Je le sens, je le sens, je le sens. Hop. Je te déteste. Ah putain, je peux pas te taper, t'es trop bas. Bon, j'ai pas le choix, hein. Voilà. Aïe! Et avec votre esprit. Vous avez vu mon père, vous êtes témoin. You're Oula, il est énervé. Merde. En plus, le pire, c'est que je fais de la saloperie. Mais non, mais non. Ça va Nanana. être une petite cloche vite faite. Hein. Bah, sauf si tu fais de la merde et que tu fais que de me faire tomber. Hein. Oh, l'homme qui se fout de la Non, gueule du monde. non, moi je ne pense même pas à te faire tomber. Même pas. Même. Je n'ai pas enlevé un seul bloc de terre. Pas un seul. Regarde, je nettoie ce côté-là. Ah ouais, je peux même pas descendre. Ah purée. Hop. Ah Ce là. n'est pas moi. Mais je sais bien que c'est pas toi, Mais frère. enfin, dites-lui, mon père. Est pas très causant après. Moi aussi, je peux dire. Car il a fait vœu de semi-silence. Oh. Ouais. C'est pas le silence complet. Il a le droit juste de dire des petits. Oh. Pas très pratique dans la vie de tous les jours. Juste de montrer son approbation ou sa désapprobation. Par un simple oh. Ah oui. C'est une église très très. Frère, Très est-ce que t'as des blocs strict. d'or, s'il te plaît? Oui, combien tu Peux pas, je paye tu maintenant. sais où? Tu sais où? Oh là, je les ai là. Tu Je les sais ai là? là. Merci, merci. Merci parce que je les ai là. Tu peux te géselifier plus loin? Merci. Voilà, la dissidence, c'est top. Les enfants, n'apprenez jamais ce que veut dire géselifier. C'est sale. C'est ça. Sale. Ah, la dissidence de cet homme. Ne croyez pas ce que vous dit foule. Ça n'est pas sale, ton corps change. C'est pas vrai, c'est sale, c'est très sale, c'est dégueulasse. Hop. On a perdu Fred, hein. Donc, Je... ouais, Hop. mais depuis tout à l'heure, Ouais, c'est vrai que je t'ai pas retrouvé depuis un bout de temps. je suis en mode délire. J'ai écouté le dernier album d'Iron Maiden qui est génial. Oh. Ben, Iron Pour être Maiden une fan. dissident. Iron Maiden fan club, hein? Normal. 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 On va faire toutes les sauces. Hop. Bon, on aura pile poil assez d'or, hein. Ça va pas être. Ouais. Bah, il va rester 18 blocs. Donc, quand je dis pile poil, c'est déjà abusé, mais. Hop. Voilà. Je pense Voilà, qu'il doit Fred. faire nuit dehors. Oui. Donc, vous voyez que le père Damien Caras attire des apôtres. Nous les entendons dehors.
Tu les entends? Ah, je les entends pas. Dehors, hein. Dehors au moins, pas dans la... Si, moi, je C'est les peut-être dans entends. l'église, hein. Non, 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 normalement, non. Normalement, non. Tu as bien dit normalement. Oh putain, moi aussi je dois être fatigué. Pas bien, faut que j'arrête la drogue. Voilà, monsieur Fred. Père Lawless sera-t-il content? Ça serait tellement pratique qu'ils nous mettent les bougies avec les bougeoirs. Moi, j'adorerais ça. Les bougies avec les bougeoirs. Ouais. Bougies avec les bougeoirs. Ben, elle est belle cette cloche. Alors, comme c'est pair, on ne peut pas faire de carillon, malheureusement. Bah sinon ça fera moche quoi. Parce que c'est une construction pair. On a tout essayé. Et, soit mettre des blocs sombres tout en haut. Est-ce que cela servirait bien de mettre des blocs sombres tout en haut? Donc j'ai changé les portes aussi. Hein. J'ai mis les portes en fer parce que comme on est en difficile, les portes en bois, les zombies peuvent les casser. Ils ne pourraient pas atteindre le père Damien Carras parce qu'il ne casse pas les barrières ni rien. Mais, j'ai pas envie de me retrouver avec une nuée de zombies dans l'église en train de prier devant le père. Ce serait marrant, on n'empêche. Ça serait marrant, mais bon, j'ai préféré mettre quand même des portes en fer pour ne pas aussi avoir à remettre les portes tous les jours, quoi. Voilà, monsieur Loles, j'ai Petit changé un petit peu bénitier. l'intérieur de JP. De JP. Oh, il a changé l'intérieur de JP. Non, j'ai Oh! refait la déco intérieure. Tu peux m'appeler Valérie Damido si tu préfères. Valérie Damido, refait JP. Ah Non, c'est oui. refait chez JP. Non, non, refait JP. Ouais, décidément. C'est un nouveau concept. DQ, c'est plus déco, c'est DQ. J'imagine Voilà, bien décadence. JP penché en avant et puis la Valérie Damido qui dit bah, va aller voir du boulot là-dedans. Il va falloir maroufler tout ça. Je pleure. Aïe, ça me fait pleurer ça. Enfin voilà la petite cloche. J'en perds la voix. Pendant que les apôtres brûlent, brûlez pour votre Seigneur, brûlez pour le Père Damien Carras. Oh, j'ai récupéré une barrière. Voilà. Enfin voilà la cloche. Donc La petite cloche la des petite familles. cloche. Alors l'un de vous m'a suggéré aussi de mettre des bannières, plus de bannières, de jouer avec les bannières. Je mettrais peut-être des bannières avec des croix. Il faudra que je voie ça. J'ai pas encore regardé. Et puis ouais, les bougies dans le... Ah, je perds mes mots. Là où on dit qu'on a fait des conneries, quoi. C'est pas... Ouais, il faudra avoir un autre éclairage, donc peut-être avec des tapis, peut-être... Faudra que je rebosse tout ça. L'église est faite, en tout cas, le père Damien Carassé là. J'ai l'éclairage à rebosser. Et puis voir des bannières avec des croix. Ou peut-être un superbe motif. Ah, excuse-moi, re. Voilà. Oh, oui, il avait bugué. C'est depuis qu'il a appris qu'on allait maroufler JP. Si c'est bien le seul mot que j'ai appris avec cette émission d'écho marouflé. Ah oui, maroufler, bah oui, il maîtrise ce mot-là, t'inquiète. Donc voilà, mon petit JP, si tu nous entends, voilà. Bisous Paix à à ton toi. âme et tout ça, hein. À ton âme. Condoléances de ton postérieur. La Nuslande, c'est fini.
Enfin voilà, donc voilà, l'église est faite, hein. Il n'y aura que l'éclairage, mais ça je vous montrerai une fois que tout aura été fait, tout aura été camouflé avec élégance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et on va s'atteler à quelque chose d'autre. Pour le moment, qu'est-ce qu'on leur fait une petite ellipse pour aller... Oui. Et puis prendre les matériaux qu'il nous faut. Oui, c'est ça, faut surtout prendre le matos parce qu'on n'a rien Ouais. préparé. Et Donc du ouais, coup, voilà. on n'a rien préparé, donc on vous fait juste une petite ellipse, on vous revient dans 2 secondes. Oh oui. Oh. À tout de suite. Et les amis, alors nous nous trouvons dans un trou énorme. On dirait mon. Ah, toi aussi, t'as été voir Valérie Damidot? Et comme dirait un certain Michel, Valérie, si tu nous écoutes. Donc ici, nous allons faire une fontaine. Et il ne faut jamais dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Et avec votre esprit. Pardon, il y a des Tu restes de l'église. veux monter tout en haut comme ça? S'il te plaît. Tu montes de combien? Je sais pas, tu t'arrêtes là où je suis. Tout est calculé avec moi. Hop, oui, pour une fois, le Laolais avait sa hache sur lui. C'est beau. Est-ce que je suis bien là où t'es? Non, là j'en suis un de moins, il me semble. Ah. Hop. Donc oui, il n'y a pas de pattern pris ou quoi que ce soit, là c'est à l'arrache. Hein. Enfin, à l'arrache, façon de parler. Hein. Hop, hop, hop. Nous allons tout faire comme ça. Tu le truc de deux? Le truc de deux. Tac. Tac, je le truc là et je le truc là. Voilà. Voilà. Hop, ensuite on va remonter de 1, 1, 1 et 1. Ensuite, il me faut des escaliers. Tac. 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 Ah! Et tac. Et Par contre, j'ai voilà. pas d'escalier, moi, sur moi. Ah, t'es chiant. Voilà, me revoilà pour la suite de l'épisode quand même. Bon, ça c'est bon. Hop, si tu veux descendre, Fred. Vous voyez les magnifiques moutons jaunes. Mais parce qu'on se demandait si la cloche on la faisait avec de l'or, de la laine ou de la claie. Donc Ou j'avais avec votre esprit. donc Voilà, on j'avais va teint les voir avec ça. moutons au cas où. Et puis On voilà. va faire le tour avec ça, mon petit Ouais. Loles. Que je n'ai pas non plus. Normal. Tiens, je dois en avoir sur moi. Non, j'en ai pas. Enfin, j'en ai suffisamment pour faire le tour, je pense. Donc, maintenant que je suis parti. Hein. Si, ce que tu peux faire, c'est creuser en dessous de toutes ces dalles, sur toute la rangée, on va foutre de la... En dessous, on va foutre de la diorite. Jusqu'en bas? On va foutre de la... Ouais, non, deux. Deux, tu me retires deux. Hop là. Hop, 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 voilà. T'es un chef. Donc oui, un, je t'ai dit, c'est un pattern qui est fait à l'arrache, là, je t'avouerai, je j'ai pas d'idée en tête, hein, je fais au fur et à mesure. Ouais, mais souvent c'est le mieux. Ah, je vais pas avoir assez de durite. Tant pis. Je dois en avoir à la maison. Je dois en avoir, j'en ai sur moi, il me semble, non? Je sais pas, Je il faut sais pas ton pas. inventaire. Sinon... En fait, c'était une question que je me Oui, posais à moi-même. je me doute bien. Vous savez, quand on est vieux, on radote un peu, hein, on parle tout seul. Bien sûr, il y a du fer au milieu.
En même temps, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour qu'on dise du bien de moi. Comme ça, au moins, je suis sûr que je Oh. m'écoute. Comme ça, je suis sûr que je m'écoute. Oh, Ah, quelquefois, je je me t'ai traite de plus. vieux con, mais bon. Ah, il va Ah, m'en je récupère le manquer fer. 4. Récupère, ouais. Hop là, du fer, parce que le fer, c'est nécessaire. Ouais, c'est ça. À la dissidence! Voilà. On pose de la terre, on pose de la terre, on pose de la terre, on pose de la terre. Le pire, c'est que je repose de la terre en me disant que ça se trouve, va falloir la reboucher, mais bon, pff, va falloir répéter. La répéter. Ouais, ça c'est possible. Je suis pas un intellectuel, moi. Hop, voilà. Ah non, t'as mis de la durite brute, toi. Faut pas mettre de la durite brute. Ah! La Ah oui. dissidence du Oh, Lolès. forcément, forcément, ça marche bien, bien. Et voilà, j'ai fait des conneries. Ah non. Comment reconnaît-on la brune de la pomme? Mais maroufle un bon coup, puis on n'en reparle plus. Hein. On la maroufle un bon coup. Voilà. Ah oh là là, il est dégueulasse. C'est toi qui m'as lancé dessus. Hein. Alors, on va Oh, faire je l'ai ci. lancé sur la maro. Oh la maroufle! Oh la maroufle, la maroufle, la maroufle. Là, tu vas pouvoir refermer de 1 partout. Hop. Hop. Là, je te laisse faire. Que t'aies l'impression d'avoir bossé un petit peu quand même. Ouais, un tout bien, au moins un minimum. Voilà. Ensuite, est-ce que tu peux me chercher? Il me faudrait de la. Bah de la diorite, il m'en faudrait. Il me faudrait de la diorite, ouais. S'il te plaît. Je vais regarder dans les coffres autour là parce que j'ai pas mal dégagé pour faire les champs et tout. Oups, ça, creeper au loin. Ça, j'y prends de très loin les creepers. Voilà. Ah, je savais que tu m'avais vu, toi, salopard! Hop là, Voilà. ouais, vous avez vu tout ce qu'ils sont là-bas. C'est de là-bas parce que je voulais aller. Puisque je voulais aller dans les trois coffres quand j'ai déblayé toute la grande montagne pour faire les champs. Il doit y avoir de la diorite. Là, j'en ai un stack. Là, il t'en faut beaucoup? Un stack doit me suffire, je pense. Je 1, 2, pense, hein. 3, Je pourrais te 4. dire avec certitude. Je vais prendre ça aussi au pire. J'en ai 4 stacks là. Oh, ça me paraît pas mal. Je pense qu'il doit y en avoir plus dans les coffres. Hein. Je vais mettre en même temps, je vais ranger un petit peu ça comme ça pour pas Ah, est-ce que t'as surcharger. de la glowstone aussi? Glowstone, ouais, mais alors c'est dans le manoir par contre. Ah, on va aller faire un petit tour, si c'est possible. S'il te plaît, Allez, Fred. on retourne au manoir tous ensemble. Il va falloir quoi 4 ouais 4 à vrai 4 lampes. ouais ouais directement. Ah oui, bah juste 4 poudres. 4 poudres, je vais rien pouvoir faire avec. Donc là aussi, tout va être terraformé pour donner l'impression une montagne naturelle. Donc il te faut un doigt. Mais il faut, ouais, mais il faut que je trace les chemins, que je voie comment je vais faire. Stop papa, frère, stop papa. Hop. Il faut que je regarde comment je vais faire. Alors, le gros stone, 4, 1, 2, 3, 4. Il est intéressant pour ça aussi, le père d'Amien Carras, qui t'échange donc la viande, la chair putréfiée. Et après, avec les émeraudes, tu peux lui racheter de la glowstone. C'est assez sympa. Ah, ah, il pas Carasman. Caras, caras. C'est assez sympathique. Ah, intéressant, on vous le pète la gueule. Et
Et je verrai si j'ai d'autres, si je peux avoir d'autres villageois, je construirai les magasins qui vont avec leur métier. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympathique, effectivement. Ouais. Ouais, j'avais pas pensé. Ça peut être très sympathique, en fait. Ah bah ouais. Hop. Je suis revenu du haut du fer. Hop là. Eh oui, moi je ne me sers pas d'usine, chers amis. Donc quand je vois des ressources, forcément, je les prends. Je vais juste refaire vite fait des dalles. Et comme dit Là. le, comme disait le grand penseur altruiste et néanmoins philosophe Freddy Tougo, ça va d'aller. Bah oui, y a pas le choix, faut que ça dalle. Ça va d'aller. Voilà. T'as ramené l'agglo? Ouais, j'ai tout. Oh, t'es un chef, mon chef. Bah, tu peux mettre 4 glowstones sous les pieds en bois là. S'il te plaise. Voilà. Oh. Voilà. Et si tu peux en mettre une au centre, si t'en restes une, parce que je t'en avais demandé 4, mais. Ah oui, tu m'en as demandé quatre, j'en ai donc amené quatre. Oh, mince. Oh bah t'es pas drôle. T'es pas gentil. Ah T'es pas bien de m'écouter. oh, bah oh, Renato. Ah oui, non, mais j'ai pensé seulement une fois que t'as mis les glowstones, ça pouvait être sympa, mais je m'en rends pas compte. On va voir. J'en ai pas part là. On va voir. Sinon, je fais une petite ellipse pour aller en chercher. Hein. Oh non, c'est bon, t'inquiète. Voilà. Ensuite. Ah bah merde. Oui, moi je t'ai demandé de mettre de la terre, mais non, c'est pas de la terre que je vais mettre. C'est de l'andésite que je voulais mettre là. T'en as de la diorite ou de l'andésite? L'andésite là. T'en as de l'andésite? Ah, j'en ai 34 sur moi. Bon, ça devrait suffire, on fera le tour. Je Sinon, vais je te peux dire. voir aussi dans les coffres qu'il y a autour. Tu sais ce que tu peux faire, Fred, si tu. C'est une date de. Oh là! C'est une date C'est dans les... Oui. Linkid de. parle très bien espagnol. C'est sa deuxième langue natale naturelle. Voilà, tu viens de perdre tes abonnés espagnols. C'est bon. J'ai plus Désolé. assez de durite. J'ai plus assez de durite. Dans des hits. Tant d'hésite, merci. C'est pareil, ça commence par Joe. Non, ça commence pas par Joe, tant pis. On s'en fout. Allez, il me faut de l'andésite. Il faut quelques blocs, hein. Je sais pas si t'en as quelque Je part. vais voir dans les coffres à côté de la ferme qui doit être hantée, mais comme je suis super bon en redstone, elle ne l'est pas encore. D'ailleurs, au passage, je suis désolé les amis, mais je m'emmêle un peu avec la redstone, c'est vraiment pas mon truc. On peut pas être bon partout. Hop. Hop. Donc, Allez, faut pas grand chose. ouais, j'en ai assez. Donc voilà, pour hanter la ferme, ça va être coton. On va te demander au boss du serveur. C'est une bête en redstone. T'as vu le système qu'il fait, toi? Voilà. Oui, c'est vrai que allez voir sa vidéo où il fait son système de feu d'artifice, ça vaut le détour. Je pense avoir perdu Link en vocal parce que sur Mumble, ça fait un drôle de bruit. Voilà.
Hop. Il avait déjà bugué un peu avant. Et va-t-il revenir? Sinon, on fera une mini-ellipse. Hein. Tant qu'il revienne, nous le regarderons construire. Mais nous ne savons pas s'il veut mettre de la durée de non derrière. Que veut-il faire? Il en a laissé. Ouais, c'est peut-être. Attendez. Je sais pas s'il veut tout enlever. Et ça, c'est un peu embêtant. Normalement, ouais. Bon, on va tout enlever, écoutez. Hop. C'est un peu comme de faire une émission radio avec un sourd et muet. Et désolé, désolé, mais c'est l'impression que ça me donne. Une émission de radio avec un sourd et muet. Imaginez-vous un peu, hein? Parce que vous allez dire, vous, non, de télé, on vous voit, oui. Mais je veux dire, nous, on est en vocal, donc on communique. Nous, enfin, on voit que nos persos, il ne peut pas me communiquer avec les gestes ce qu'il veut faire exactement. Donc, c'est pour ça que je fais référence à la radio, parce que nos personnages sont quand même assez limités sur le jeu. Je pense que vous aurez compris à quoi je fais référence, mais nous l'avons perdu, hein, nous avons perdu le vocal. Cher Guilux, je ne vous entends plus, j'ai cassé mes lunettes. Référence au grand Léon Zitrone, évidemment. Certains de vous l'auront reconnu. Et du coup, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne. Allô? Ah, le revoilà! Allô? Le revoilà, tu m'entends? Ah, c'est bon. Oh Oui, heureux. merde, je peux plus dire de saloperie sur toi. Oh, tu as raison, t'inquiète pas, je l'aurai dans l'épisode. Ouais, incidence, cette âme. Ah là là. T'aurais pu, Non, j'espère t'as profité. j'ai pas dit de saloperie. J'ai été gentil, je Oh, suis toujours gentil, menteur. moi. Hop, qu'est-ce que t'en penses? Ça commence à prendre forme, petit chouïa là. Ouais, c'est assez sympa, ouais. Ah, j'ai oublié de mettre les escaliers, moi. Est-ce que tu veux reboucher les trous, tiens? Hop. Rebouche les trous. Bien reboucher les trous. Ah oh, oui, rebouche les trous. Je peux être maroufleur professionnel. Oh oui, maroufle-moi, Fred, maroufle-moi! Ah ben il y en avait que deux à boucher. Parce que je suis parti à faire les autres. Et voilà, et voilà, et voilà. Toujours pareil. Donc, ce que nous allons faire, et nous allons le faire, parce qu'on va essayer de le faire. Ouais. Ça se trouve, ça va le faire, on va essayer. Parce que le faire, c'est nécessaire. Ouais! On va essayer de remplir de flotte tout ça. Parce que la flotte, c'est comme de l'eau. C'est un peu de l'eau en même temps, non? Ah, c'est bah c'est pour ça aussi, je me disais, Oui. merde, les mecs, il y en a qui mentent et tout. Mais ouais. Voilà. Ils mentent, ils disent des conneries, ils disent ouais, c'est de l'eau alors que c'est pas de vrai. C'est ça, le respect. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut.
Ah, mais je bug à moitié, mais c'est sympathique. Je prends plaisir à faire ça avec ces bugs. Voilà. N'est-ce J'aurais pas dit mieux. Voilà. Ah ben Eh ben voilà. c'est pas mal déjà. Ensuite, on va commencer à refermer ça. On va remonter de un niveau encore. Allez, bug pas, s'il te plaît. Bug pas. Oui, ça va être hard pour faire tout plat là. Blop. Ouais. Ben si, ça va être hard pour faire tout plat. Mais Non? non. Mais non. Tu vas voir. Il y a des techniques que j'ai apprises de père en fils et de fils en père. Et tout ça hors taxe, hein, parce que TTC, c'était plus dur. Ah, je t'ai mis trop haute. Voilà. Oh. Alors c'est beau, c'est pas beau. C'est magnifique. Ah génial, ça donne l'effet que je voulais. Oh excellent. Regarde le sol. Ouais, ah oui. Donc pour moi, faut au moins remonter d'un niveau de plus. Ouais. Parce que remonter d'un niveau de plus, c'est la vie. Et la Oula, vie, oula, oula, oula. c'est gentil, Ouf. Vandame. Ah, raté. Excusez-moi, si vous ne me voyez plus bouger, c'est normal, j'ai un coup de lag. Ah, c'est normal, ça avec l'eau, c'était prévisible. Hop. Pour moi, tu bougeais, hein, je t'ai vu. Ouais, mais moi je bougeais, mais en saccadé. Ah, en smurf. Ouais, voilà, ouais. Tu smurfisifiais. Je Ça veut rien dire. smurfais. Cherchez pas dans le dico, smurfisifier, ça veut rien dire. Je smurfais. C'est ça. Je me prenais pour Sydney. Donc oui, d'ailleurs, Pour pendant les que j'y plus pense, anciens, chers hein. petits abonnés de Fred Lolles, le côté où vous faisiez des petits commentaires et tout, je sais pas si vous en avez parlé tant que je suis pas là, mais ça fait plaisir à avoir, donc faites-vous plaisir sur son truc, hein. N'hésitez pas, dès que vous avez Bah des avis à ouais. donner, faut en parler, faites-vous plaisir. Faudrait remonter dans ici vers les escaliers. Ouais, ça marche. Remonter dans enfin d'un bloc parce que là ça Voilà. Hop, hop. Hop. mettre un Non, bloc ou un escalier. je me permets de dire ça, Fred, parce qu'on a parlé ensemble, sinon je me serais jamais permis. Oh. Je déconne! Pardon. Voilà. Non, non, c'est très très sympa. C'est très 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 sympa de donner vos avis, de donner voilà ce que vous verriez, comme l'idée des bannières ou des éclairages. J'ai noté tous les commentaires constructifs qui donnaient des idées. Et on va essayer tout ça. C'est vrai que, comme j'ai dit, c'est dommage que voilà le mode Bibliocraft propose des bougeoirs et des bougies. Pourquoi Microjang ne s'inspire pas de ça, bordel? C'est tellement beau. Des lampes, les lampes que tu mets au mur du mode Bibliocraft, c'est tellement beau. Mais Fred, non. Oui. tu vas lancer une petite ellipse, je pense. Ouais. Besoin d'un peu de matos. Ok. Donc je sais pas, c'est toi le papa, mais il me Tuk-tuk. faudrait que tu récupères Donc, une autre glowstone. cher petit ami, nous vous fenons. Nous vous fenons. Oui, Nous vous fenons, et nous vous voilà. fenons, vous Il n'arrive plus à fenons. parler. Il m'a donné sa maladie. Je n'arrive plus à parler. Nous vous fenons une émission. Oh. Nous vous faisons une petite ellipse et nous revenons à tout de suite. À tout de suite, les amis. À tout de suite. Voilà. 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 Et re à vous, donc nous voici autour de cette fontaine. Oh oui.
Alors, Mr. Link a avancé en off. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Qu'as-tu fait? Ah, Skype qui merde encore. Mumble qui merde encore. En fold. On y croit, Ah on là y là. croit, on y croit. On y Achète-toi le croit. papa. Fais voir à tes viewers tout ce qui a été fait. Qu'as-tu fait alors? Dis-nous. J'ai fait le dessus de la fontaine. C'est-à-dire, Dis-nous. j'ai. Ah, attends, je suis en train de faire du caca. J'ai mis des. Bah, un peu, tu sais, comme principe des petites tonnelles japonaises. Je pensais un peu à ça, je trouve. C'est les petits trucs. Comment dire? Les petits abris de jardin zen, là. Bah, brièvement, ça fait penser un petit peu à ça. Et puis, bah, j'ai juste foutu la flotte et après, bah, ça fait son effet, quoi. Après, je ne peux pas te dire beaucoup plus, mon ami. Nous avons donc de la glowstone, des escaliers. Je vais essayer de pas tomber parce que pour remonter après c'est un peu la même merde. C'est ça. Et tant pis si je perds des blocs. Nous avons donc de la glowstone en dessous, des escaliers, des barrières. Quelques Oui. petits boutons pour faire les fioritures. Ah oui. Hop. Et nous avons ici qui nage. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'en est un autre? Ah! Pourquoi tu ne me dis pas ton nom? Est-ce que c'en est un autre ou est-ce que c'est lui? Parce que j'avais un poulpe que j'avais renommé. N'est-ce pas? N'est-ce N'est-ce pas? Nous avons le Kraken. Enfin, le poulpe là-bas, il a été renommé Kraken. C'est ça qui est bon. Référence justement Au chien. au chien. Mais Au chat, pardon. ouais, il est pas assez, il est pas assez proche pour qu'on le voie. Et voilà. Donc là, on va le voir, hein. Le Kraken, voilà. Nous avons le Kraken qui nage. Voilà. Voilà, il a popé tout simplement. Je trouvais amusant de le renommer comme ceci. Oh, ça fait sympa quand on regarde les escaliers avec l'eau comme ça fait super sympa. Ça, je ne le vois pas d'en bas, d'en haut, de là où je suis. Hop. Donc Voilà. voilà, j'ai mon poulpe, j'ai le kraken dans la fontaine. On voulait l'appeler Krakouné, mais ça marchait pas. Ça fait sympa la Voilà. petite fontaine, je trouve. Quelques petits glowstones et tout, ça fait assez sympa, ouais. Je dis pas que c'est parfait, mais on sent qu'il y a de l'expérience derrière. La dissidence. Avec donc le Donc, poulpe qui nage. J'ai beaucoup Krakouné. d'animaux renommés. Moi, j'aime bien ça. Autant Faire raison, dis donc. des petites références comme ça. Et nous voyons Il est ici beau. Kokuho. Bref, ça fait bizarre pour un poney. Pour un poney. Oui, moi, tous les chevaux, c'est des poneys. Et tous les. C'est le cheval de Ken le survivant. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois je pense à Pocahontas, mais Ouais. aucun rapport. Non, non. Kokuo, c'est le cheval de Ken le survivant. Oui, mais c'est aussi un personnage dans Pocahontas. Ah bon? C'est pour ça qu'à chaque fois je pense à Pocahontas et Je ne pas sais à pas. Ken. J'ai vu Pocahontas une fois. Ouais. C'était il y a 50 ans à peu près. Ça se moque, ça se moque. Donc voilà Fred, j'ai voulu rester dans le... on a voulu rester dans le thème au niveau des couleurs et je pense que Ouais, c'est bien de respecté. la ferme et tout. Je trouve que c'est bien respecté. Donc voilà, nous avons le puits de Sadako à côté, et là nous avons la fontaine où il y a le Kraken qui nage et qui n'est plus seul d'ailleurs. Mais C'est vrai? bon, ouais, Oh la j'en vache, vois oui. deux, trois. Oh bon, 4. voilà, c'est la mare aux poulpes. Hein, c'est la mare où il y a la petite famille de Kraken. Voilà, j'en ai renommé qu'un, je renommerai pas tous les poulpes. Hein. Je ne les renommerai pas tous. Il y en a qu'un, au moins il y en a qu'un qui sera sûr de rester, celui qui est renommé, voilà, c'est la mare au Kraken. Et voilà. Oh, le dissident, il va tuer les pulpes. Ah, j'ai besoin d'encre, moi. Et voilà. Avec on a l'usine à encre, c'est bon. Les gens, ils se plaignaient de pas avoir d'usine d'encre sur le serveur, c'est bon.
Ouais, mais faites gaffe à pas tuer mon kraken! Oh, t'inquiète. Voilà. Et puis en même temps, ça peut servir à pêcher, mais moi je vais plutôt pêcher vers la cabane là-bas. Cabane du pêcheur que je referai en mieux parce que c'était une cabane que j'avais fait il y a pas mal de temps et c'était voilà, enfin en fin de soirée, j'étais à la bourre et il fallait faire J'étais quelque chose. bourré, j'étais... Non, je n'étais pas bourré, je ne bois pas. Ça sert à rien, sauf si t'as soif. Voilà. Et j'étais à la bourre, c'était en fin de soirée, et puis voilà, quoi, fallait faire quelque chose, j'ai fait cette cabane-là, mais je la referai en mieux, je pense. Bon, En tout oui. cas, ben voilà, ça nous fait un beau petit épisode quand même, Oui, monsieur. je pense. Tu penses bien. Là, La nous dissidence. tournons autour, nous avons parlé maroufle. Nous, On a fait de la merde. hein, ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Ce qu'il fallait pas faire, on l'a fait aussi. Oh, c'est exactement ça, Pense ouais. que je pense qu'on est pas mal. C'est même très pas mal. En tout cas, bah, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, hein, donnez-vous vos avis, vos impressions. Bah, ce que vous auriez fait ou pas fait, voilà. Puis bisous aux gars, Vos bisous aux idées. filles. Et puis pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, filles, amitié aux gars, pendant que zombie va venir nous emmerder. Oh, il me regarde, il est joli, voilà, il est gentil, il est bien. Bisous, filles, amitié aux gars, et à très très bientôt. Bye bye. Salut.